Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par les audiences du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec trois personnalités. Il a reçu tour à tour le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, le ministre britannique aux affaires africaines et enfin le président de l'Agence allemande d'investissement. Ce soir, le compte-rendu complet de ces audiences avec notre reporter. ICI 2014, le Forum des investissements Côte d'Ivoire, a ouvert ses portes, vous le savez, depuis hier dans la capitale économique, Abidjan. Près de 3000 participants prennent part à ce rendez-vous du renouveau économique ivoirien. Et déjà, les retombées sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, met à la disposition des entreprises ivoiriennes 250 milliards de francs CFA. Le reportage de Jean-Jacques Amiala. Comment accéder au financement ou à l'extension de son entreprise? Au forum ICI 2014, ils sont nombreux les entrepreneurs opérant en Côte d'Ivoire qui éprouvent cette difficulté. ICI, bon, il faut dire que s'il y a une possibilité de financer les entreprises ivoiriennes, je crois que nous sommes partants. C'est pour cette raison qu'on est venu. Voilà, parce que ici, on a quand même certaines entreprises qui ont des atouts, mais il y a un problème de financement. Nous sommes en quête de financement. Parce que les clients sont ouverts et c'est une opportunité pour nous de participer à ICI. C'est pour aider les entreprises à accroître leurs performances qu'en marge du forum ICI 2014, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a activé le point national d'information d'Afreximbank logé dans cette structure. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut avoir une offre de service à Afreximbank est obligé de s'adresser à Afreximbank. Vous savez que le siège d'Afreximbank est en Égypte. Ils n'ont pas d'agence en Côte d'Ivoire, donc tout peut démarrer ici avec notre point focal. C'est vraiment important. La Banque africaine d'import-export met à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens environ 250 milliards de francs CFA. Objectif, faciliter l'accès des entreprises au financement. La Côte d'Ivoire est actionnaire de la Banque africaine d'export-export et malheureusement très peu d'opérateurs ivoiriens en profitent. Donc nous pensons que c'est une opportunité que la Chambre de commerce offre ses services pour qu'on puisse mieux vendre les programmes et faciliter de la banque. En Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de ce fonds. Les secteurs concernés, l'import, l'export, transport, manutention et services. En dehors de la Côte d'Ivoire, les dirigeants de l'Union africaine sont réunis depuis ce matin à Addis Abeba en Éthiopie pour un sommet de deux jours, un sommet consacré à l'agriculture. Mais la crise en Centrafrique et au Soudan du Sud s'est invitée dans les débats. Le reportage de notre envoyé spécial Awa Touré est commenté pour vous par Habiba Dambélé Saoui. Ce 22e sommet de l'Union africaine est centré sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. D'où le thème « Transformer l'agriculture de l'Afrique, saisir les opportunités pour la croissance inclusive et le développement durable ». Il s'agit pour les participants de réfléchir aux voies et moyens pour transformer l'agriculture en Afrique, en vue de contribuer à l'amélioration des revenus des couches vulnérables, afin de réduire la pauvreté et permettre une meilleure distribution de la croissance. Autre temps fort, le lancement de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, marquant ainsi le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Houle Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine. Ses priorités: protéger l'unité du continent, instaurer la paix, la sécurité et le développement durable, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire et protéger la jeunesse pour en faire un acteur clé dans le développement. Hommage a été également rendu à Nelson Mandela. L'amphithéâtre des plénières porte désormais son illustre nom. Ce jeudi, dans l'édition de 20h, nous vous proposerons le premier numéro du grand format. Ce premier numéro s'intéresse au CCDO, Centre de commandement des décisions opérationnelles. Comment travaille ce centre? Quelle politique, quelle action menée pour assurer la sécurisation des biens et des personnes? Nous en serons avec notre reporter dans l'édition de 20h. Prenons donc rendez-vous pour la grande édition.